Bon, alors on continue avec la New Astro City de Damien. Bon, on a commencé à essayer de faire un réglage, mais on s'est aperçu qu'il y avait certainement un souci. Je pense que sa platine est un peu fatiguée. On a essayé de mettre les cutoffs au mieux. Mais vous voyez, l'image n'est pas dingue, elle est un peu terne. On est obligé de mettre la THT très haute pour avoir un peu de luminosité. Donc la platine a certainement un problème. Le verre, par exemple, quand on le met au taquet, il n'arrive pas à la moitié, etc. Je pense que la platine a besoin d'une révision. J'ai qu'une seule possibilité. Et cette possibilité-là, c'est d'invoquer mon frérot, Melusis. Et voilà, donc Melusis qui est venu. J'ai invoqué le Melusis. Qu'est-ce que tu penses de cette platine, du coup? Parce que tu vois, j'ai essayé de re-régler, c'est ce que je t'expliquais. Et l'image est terne, malheureusement. On voit bien, hein, déjà au niveau des couleurs, Ouais. la colorimétrie, déjà il y a trop de bleu, donc ce qui fait qu'on n'a pas de blanc, et on voit clairement que ça manque Ouais, il y a de quelque chose qui va matte. Donc pas. ouais, je C'est quelque pense qu'il chose y a qui va pas. quelques trucs. Faut savoir que j'ai dû monter la THT très haute pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un peu de l'image, sachant qu'on voit que l'image reste sombre malgré le fait que la THT est haute. C'est ça. Malheureusement, bah, je pense que la platine n'a pas été révisée depuis l'époque. Et qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que tu Oh, je pense peux... que ça pourra lui faire Est-ce que c'est un un défi pour grand bien. toi? Ah oui, c'est un défi, mais à relever sans problème. Voilà. Bon, Damien, t'es prêt à retrouver une borne Allez, avec plaisir. Merci en tout cas, Melou et à toi. Allez, de rien. Allez, c'est parti. Il va nous. Bon, allez. Première fois, attention, live in direct. Vous allez voir comment on fait un cap kit sur une platine. On va pas rentrer dans les détails, mais on va voir Melusis à l'œuvre qui va nous cap kitter cette platine pour essayer de lui rendre sa jeunesse d'antan. Allez, c'est Sur du parti. pur de jouvence, on va dire. Ouais. Bon, Ahmed a démonté la platine, donc MS8 de la New Astro. Et là, il va procéder au cap kit. Donc là, il est en train de faire un petit peu un repérage de ce qui a été fait. La platine a déjà été cap kittée il y a un moment, mais c'est des composants que j'avais jamais vus. Michael Jackson. Voilà, et en 85 degrés. Voilà. Donc Surtout Jackson, j'avais jamais vu là, cette marque. on va procéder Donc, voilà. à un cap kit avec des condos d'origine, quoi. Ouais. Nous, Chicole. Ouais. Et donc, voilà, on va identifier tout Voilà ce que ça. On c'est va qu'un tout cap faire. kit. Donc en fait, on change les capaciteurs, les condensateurs, pour pouvoir avoir une image qui soit bonne. Puisqu'en fait, ces capaciteurs, ils vont notamment gérer la couleur pour une partie. Et c'est pour ça qu'on avait des soucis au niveau des couleurs, qu'on n'arrivait pas à monter haut. Là, on a vraiment la bonne marque. Là, on a la neckboard, il va jeter aussi peut-être un petit œil dessus aussi. Et puis, donc, il va faire lui pendant ce temps ça. Et nous, on va s'attaquer au polissage de l'écran. Damien, tu peux me l'éclairer vite fait? Avec ton téléphone pour montrer que, bon, il est vraiment rayé. En fait, je ne me rendais pas compte la première fois quand j'ai vu. Et là, vous voyez, on voit tout un tas de micro-rayures dessus. Et là, au milieu, il y a même, voilà, on voit que ça a pris même, voilà, ça a frotté en fait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le polir et on va le rendre comme neuf. Donc là, vous regardez, je vous montrerai avant, après. Là, c'est avant, ok? Et on vous montrera après. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la pâte à polir Elle est là-bas. que je t'avais laissée. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Donc c'est de la pâte à polir Là. P5. Attends. Oh. Elle est Pâte à là. polir P5 qui est là. Voilà. J'ai commandé vos... Je l'ai acheté dans un magasin d'automobile. Je fais un big up à Sofiane qui m'avait conseillé de prendre cette référence-là. Et on va mettre ça sur une visseuse avec cette petite brosse à polir en mode mouton, comme ça, peau de mouton, on appelle ça. Et en gros, on va appliquer un peu de pâte à polir ici et on va polir tout doucement l'écran par zone en faisant des petits cercles. Allez, c'est parti. Donc, on va appliquer. Donc là, j'ai mis de la pâte à polir ici sur la petite brosse à polir et on va y aller tout doucement. Voilà, on va procéder comme ça. On appuie quand même pas mal hein, pour que ça puisse polir. Et on fait des petits cercles comme ça. On va faire une zone et je vais vous montrer avant-après ce que ça donne.
qu'il faut faire, c'est quand on fait les rotations, très important, il faut vérifier que ça ne chauffe pas trop, que ça ne monte pas trop en température. Vous touchez l'écran, si vous voyez que ça commence à chauffer, vous arrêtez un peu, le temps que ça refroidisse. Bon, on a sorti l'arme de guerre parce que ça avançait pas assez, c'est surtout qu'il n'y avait plus de batterie dans la visseuse, donc on a sorti le perfo. On y va au fusil d'assaut. Donc, ça ira plus vite normalement, mais voilà, le problème c'est qu'il faut le retenir. Il faut bien appuyer pour bien le retenir et ça, normalement du coup ça ira plus vite. Donc là, on retrouve Ahmed pour son cap kit pendant la suite du cap kit. Donc Ahmed, qu'est-ce que tu as découvert sur la platine? Donc j'ai constaté déjà sur les deux caps, là, notamment la IC3, ouais, que les condos, ils n'avaient jamais été changés en fait. Ouais. Donc il se peut que ce soit la raison pour laquelle on n'a pas bonne image. Bon. Donc, je regarde sur le manuel à quoi correspondent ces cartes. Mais j'ai quand même ma petite idée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par celle-ci. Tu les as dessoudées? Voilà, j'ai dessoudé la carte. J'ai changé les condos et j'ai refait un cordon que j'ai pris en photo pour voir s'il n'y avait pas de soudure qui se touchait en fait. Pour que ça fasse un coup de circuit. Je mets un peu. Je fais mise au point. Bien. Ouais, ça y est. Allez. Hop, on fait la photo. Là, on peut voir que j'ai refait le cordon. Donc, a priori, il n'y a rien qui se touche. Ouais. Voilà. Donc, je continue mon investigation. Donc, par contre, tu as dit qu'en regardant le schéma, tu as dit qu'il y a un composant qui gère justement tout ce qui est couleur, etc. Tu as découvert à peu près que c'est celui-là qui doit. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que ces composants, ils n'ont jamais été changés. D'accord. Donc, ça se trouve, ils sont rincés. Okay. Et il se peut que ces composants gèrent justement tout ce qui est colorimétrie. D'accord. L'écran quoi. Mmh. On trouve que la platine gère l'écran. Mmh. C'est un coup quoi. Ouais. Ok. Voilà. Bon bah on te laisse continuer. Okay, ça marche. Allez. Merci. Bon, on retrouve Damien qui a voulu s'y mettre lui aussi. Comme ça, il va apprendre aussi à le faire puisqu'il va le faire pour ses autres écrans. Donc le voilà. Là, vous voyez, là l'écran, il est presque totalement poli. Il reste le bas. Bon, il faut bien tenir le perfo. Hein. Que ça part. Faut être costaud, hein. Regardez-moi cette belle bête. Donc vous voyez, maintenant on a l'écran qui a pris cette couleur, cette teinte grise. Le masque est plus gris que noir maintenant. Voilà. Bon, le ponçage est terminé, du moins le ponçage, le polissage. Et vous voyez, on comparera, je mettrai les deux scènes à côté. Vous voyez l'écran maintenant, plus de rayures. Bon, l'écran est marqué, hein, il est marqué d'origine. Mais il y a un marquage de Mahjong dessus, je crois. Mais par contre, vous voyez, il n'y a plus du tout de rayures. C'est vraiment nickel, ça brille. Et du coup, c'est moins gênant. En fait, borne éteinte, c'est moins choquant. Quand on est sur un écran comme ça, qui avait plein de micro-rayures, vous voyez, on voit des traces de rayures. Et là, en fait, on n'a plus du tout ça. Là, c'est vraiment net. Et voilà, pour le lustrage de l'écran, polissage. Bon, Ahmed, qu'est-ce que tu nous as découvert de plus sur la deuxième carte? Bah là, on voit qu'il y a une pastille qui est décollée. Donc, ouais, ça a été réparé. Donc, finalement, celles-ci, elles ont été remplacées. Ça a été remplacé, mais pas au bon voltage. Voilà. Donc, les capaciteurs d'origine, ils font 1 microfarad pour 50 volts. Et là, ils sont à 100 volts. En plus, c'est des Jackson. Donc, ouais, Jackson 5. Voilà. Donc, voilà. Donc là, ce que tu vas remplacer, ça va être du Nishikon. Nishikon, c'est, voilà, c'est vraiment de l'origine. Là, et du coup, même en température, ça monte plus haut. Etc. Ah ouais, la température, elle est bonne. Ils sont à 105 degrés, donc voilà. Ils sont d'origine. Voilà. Donc on espère qu'on verra le résultat à l'image. Voilà, j'espère. Bon, Damien, on a enfin terminé en tout fait, ça. Ça a été quand même... Ça a été un chantier. Ça a été un chantier. Ça a été un chantier. Donc, en fait, il restait plus que celle-là, donc le polissage est fait. Je vous mettrai des vidéos d'insert pour vous montrer ce que ça a donné au niveau du polissage. Donc là, on a fini le réglage sur l'astro qui est là. Là, le cap kit est fait, donc maintenant, voilà, on a fait quelques réglages aussi pour celle-là. Donc voilà. Bon, la blast, on l'avait déjà montré, c'était nickel quand on avait montré pour la convergence. C'est bon. Donc là, tout est fonctionnel. Tout est fonctionnel, parfait. Là, on est vraiment au top, donc...
Ce qu'il y a, c'est que voilà, on voit que quand on recapkit une platine, ça rend le voilà, l'image correcte. Hein, toutes les couleurs sont redevenues dans la bonne balance. Mmh. Bon, là, on a un écran fixe, on va mettre Star juste pour montrer le menu. Voilà. Là, on a Darkstalker qui tourne derrière. Il y a un multi CPS2 que tu as mis dans celle-là. Ouais. Donc voilà, on a un peu bichonné les bornes. Le problème, c'est que je voulais vous montrer le tuto pour la. Je voulais vous montrer le tuto pour la Naomi. Mais malheureusement, Damien, il a eu une coupure d'internet, ce qui fait qu'on ne peut pas la mettre en route. Non. Donc je le ferai peut-être à part. Moi, ce que je ferai, c'est que je referai, je remontrerai pour la mienne, je la déparamétrerai et je la referai de A à Z pour vous montrer ce que ça donne, comment on installe un multi Naomi. Moi, j'ai une Naomi 2, donc je vous montrerai. C'est comme la Naomi 1, ça ne change rien, c'est juste qu'il y a des jeux, il y a quelques petits jeux en plus, pas grand-chose, 3 ou 4, je crois, qui vont faire la différence entre les deux. Donc voilà, maintenant... T'as une gaming room magnifique maintenant. Et fonctionnelle. Je mettrai une petite vidéo qui fait le tour. Mmh. Donc voilà, là, t'as bien entretenu tes bornes. Là, c'est important de faire ces entretiens. Et ça a été une sacrée aventure. Ça a été une aventure. On a rencontré pas mal de galères. Ouais, c'est ça. Et vraiment, un grand merci à toi. Ah, mais c'est rien, c'est parce rien. Parce que ça montre qu'il peut encore avoir de nos jours de la solidarité. Ah, mais c'est normal. Moi, perso, en tout cas, je milite pour ça. Il y a des gens qui ont été là pour moi quand j'ai eu besoin. Et je peux en témoigner. C'est que, voilà. Je peux vraiment témoigner. Moi, c'est pareil. On m'a aidé pour beaucoup de choses au début. Et il y a des choses que je sais faire, d'autres que je sais pas faire. Voilà. Donc c'est important de partager ça. On fait une dédicace à Melo 6 parce qu'il n'est pas là pour la conclusion. Ahmed, qui a fait le cap-kit de la platine. Un grand merci à lui. Donc on va dire le redesignage. On a eu des petits soucis de piste sur la platine. Sur la platine, c'est Nicolas qui a fini de faire qui a réétamé tout ça bien comme il faut pour qu'elle refonctionne de nouveau. Donc du coup, voilà, on remercie aussi. Je fais une grosse bise à Letty et à Hervé pour ça. Parce qu'ils m'ont fait plaisir, je viens de le recevoir, donc je le mets. Ah, quelle beauté. Ah ouais. Ah, quelle beauté. Donc voilà, je vous montre en insertion la petite gaming room de Damien. Vous la verrez là, tournée pendant qu'on est en train de discuter. Et voilà, quoi, là t'es vraiment au top. Ah, là, t'es prêt pour les tournois, t'es prêt pour recevoir. Là, maintenant, j'attends juste l'invitation. Ah, mais toi, tu es à la maison ici. Ouais, là, mais quand même. Tu sais quand tu veux. Là. Je viendrai casser quelques bouches, là. Ah, carrément. Voilà. Et me faire casser la bouche aussi. Oh, tu vas plus s'en rendre. Non, mais s'il y a des mecs comme Xavier, on n'est pas sortis. Ah, c'est vrai que Xavier, il est un peu coquin. Ouais, c'est ça, il est coquin. J'arrive à le battre de temps en temps, mais putain, oh là là, il est chaud. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Et un grand merci. Et ben, merci à toi. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut. Salut tout le monde.